Hey, avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je stream sur YouTube, mais surtout sur Twitch. N'hésite pas à follow Twitch, le lien est dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi un Discord, ainsi qu'un TikTok, du coup n'hésite pas à nous rejoindre, et qu'à follow TikTok, si tu veux encore plus de contenu de ma part. Tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 56 de notre aventure sur Sao Last Recollection. C'est parti les gars, 56ème vidéo aujourd'hui. Nous allons faire les mots sacrés, enfin mots sacrés. Depuis qu'il était dans le Underworld, Kirito faisait très attention lorsqu'il parlait de peur d'utiliser des mots relevant de la langue sacrée, mais un jour, ok, donc ça promet, ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air courtillant. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, hein, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire, si le SP vous plaît toujours, donc voilà, n'hésitez pas. Aussi, à venir sur Twitch et TikTok, on stream tous les vendredis et samedis sur Twitch, donc n'hésitez pas les gars. Le lien est en description. Allez, let's go. Mot sacré d'Orossi, ça fait longtemps. Il m'a l'air pas mal. Franchement, les gars, il m'a l'air pas mal celui-là. Toi là, Kirito. Ah. D'Orossi en 2D d'ailleurs, hein. Je m'y fais toujours pas, c'est assez stylé. Salut D'Orossi, tu me cherchais? Oui, je voulais te parler des tours de garde pour ton camp de base. Tu veux dire quand on se relaie la nuit pour de prévenir des attaques de bêtes? Précisément, on va bientôt faire notre ronde ensemble. Ah. Ah oui, merci de m'avoir prévenu. Tâchons de faire ça bien. Compris, j'essaierai de ne pas te mettre les bâtons dans les roues. C'est juste une ronde de nuit, des stress, sinon tu vas te ruiner la santé. Oui, mais quand je pense qu'on doit protéger tout le monde, ça me stresse. C'est compréhensible, écoute, on fera notre mieux. D'accord. Ok. Ok. Pas mal. Ça... Ouah, ça annonce du bon. Ça annonce du bon. Allez, je valide. Ça annonce pas mal. Ça va être pas mal. Ça met en couleur, j'ai envie de dire. Ça met en couleur. Mais du coup, pour l'instant, ça ne parle pas des mots sacrés. Donc, à voir. On va voir ça. Alors, où se trouve D'Orossi déjà? Ah bah, allez, là. Parfait. Impeccable. Impeccable. D'Orossi est ici. Ouais, bah logique en vrai que ça c'est le camp en vrai, donc c'est plutôt logique. Mot sacré. Allez, let's go. D'Orossi, fais-nous rêver. Kirito, c'est l'heure. Ouais. Déjà? Par ici. Il est tard, alors tout le monde dort déjà. Tâche d'être discret. Pigé. Yes. Ah, la CG déjà? Putain, elle arrive vite la CG, je trouve. Hein. Oh là 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 là, stylé. Oh là là, mamma mia. Très très stylé. Ah, vraiment très stylé, j'aime beaucoup. Dis donc, ça manque vraiment d'étoiles dans le ciel du directeur Sori, non? Des étoiles? Tu sais, les points lumineux qui brillent dans le ciel la nuit, ça te parle? Oh oui, je connais. Je vis dans le monde des hommes quand j'étais petite. Ah oui, c'est vrai, du coup, tu vas y te comprendre. Le ciel du monde des âmes est très beau aussi, dans un genre différent. Avec son fond noir, on distingue bien les amas de petites étoiles, c'est magique. Dans le Dark Territory, il fait noir la nuit et sombre le jour. Ah d'accord, oui, on est habitué. Ah ouais, tu m'étonnes. Je suis sûr que ton monde aussi doit avoir des paysages époustouflants. Oui, dans ma ville, les étoiles n'étaient pas visibles à cause des lumières. Mais à la campagne, on voit que le ciel est plein, j'adorerais te les montrer. Ça a l'air extraordinaire, rien que d'y penser, ça me met du baume au cœur. Ça me fait penser que la compétence d'épée d'Azuna, c'est l'étoile filante. Comme celle qu'on voit passer dans le ciel, n'est-ce pas? Eh oui. Tu t'y connais? Et celle-là alors? Une Nova Ascendante, ça te dit quelque chose? Nova Ascendante? Désolé, je ne vois pas. Nova signifie qu'une étoile est récente. Continue Kirito, je veux en savoir plus. La ronde est loin d'être finie. Oh, stylé celle-là aussi, j'aime bien. Putain, tellement de CG sympa. D'accord, pourquoi pas. Oh, mais on doit pas oublier nos responsabilités pour autant. Bien entendu. Ok, c'était... Ah non, c'est pas fini, putain. Nice. Un cyclone, c'est une tempête. Un tourbillon de vent violent.
Logique, tourbillon, ça décrit bien son balayage horizontal. Évidemment, ça ne rime à rien de faire la toupie sans toucher quoi que ce soit. Bien sûr, ça rend la précision d'Azuna à l'épée encore plus impressionnante. D'où son surnom, l'éclair. Je suis loin d'avoir sa vitesse, sa précision. C'est vrai? Et grâce à toi, j'aurais appris beaucoup de choses. Je répète dans ma tête, c'est tout. Les mots ne sont pas compliqués, je crois. Tu m'as appris tant de mots de langue sacrée en langue sacrée, ça me fait penser à mon père. Merci, Kirito. Tu auras envie de le revoir, ton père? Je crois, si c'était possible. Oui, je comprends. Tu ne le regretterais pas? Je ne sais pas, mais je dois essayer. Dorothy, si tu veux, je t'aiderai à le retrouver quand tout sera fini, promis. Kirito, la nuit vient de commencer. C'est vrai. Tu veux continuer à parler la langue sacrée? Oui, merci Kirito. Ok. Putain, c'était court. C'était trop court. Une nouvelle tenue disponible pour Dorothy. Ah, ça m'intéresse. Putain, waouh, il était court le P, les gars. Putain. Ah ouais, là, pour le coup, il était très court. Enfin bon, c'est le jeu. Alors, les armures... Ah oui, voilà, visualiser tenue. Alors, armure. Armure rutilante. Tenue spéciale. Ok. Ok. Bah, en vrai, ça va. Ça va. C'est pas dégueu, même si, bon, j'aime bien l'armure rutilante. C'est vrai que, putain, c'est fou. C'est pas... Oh, on dirait que c'est pas la même dent aussi. C'est incroyable. Bah, je sais pas, genre... Ouais, je te jure, ça la change tellement, cette armure-là. Contrairement à celle-là, tu vois, la tenue spéciale. Ah, elle est sympa. Non, franchement, elle est sympa, la tenue spéciale. Elle est sympa. Ça va. Mais en tout cas, ouais, c'était... Wow, c'était... C'était plutôt court, là, cette EP, putain. Enfin, bon, on va s'arrêter là, hein. Pour le coup, les gars. On va faire comme d'hab qu'une seule. Hein. Mais j'avoue que c'est plus court. C'est dommage que, ouais, finalement, tu vois, je m'attendais à mieux. Ah, je m'attendais mieux. Je pensais qu'il allait avoir plus croustillant à débattre. Mais non, au final, c'était une story mignonne, on va dire. C'était une story mignonne, donc il n'y avait pas grand-chose à dire, mais ce fut sympa. En tout cas, la CG était belle. Ça, il y a rien à dire, c'est que la CG était belle. Bah tiens, d'ailleurs, attends, on va regarder. Est-ce qu'il y a peut-être une quête qui a été rajoutée? Je ne sais pas. Peut-être. C'est vu que j'en ai une qui s'est rajoutée comme ça à la suite d'une autre. Peut-être que celle-là, il y en a une. Alors. On va regarder ça. Tac, sous-quête... Absété. Je m'en charge, invite-moi, ouais, non, non, c'est la discussion amicale, donc ça, pas de problème. D'ailleurs, je sais même pas si c'est les dernières, hein, discussions amicales, peut-être pas. Hein. Ça, on l'avait vu. On l'avait vu, l'écran de fumée, on l'avait vu, l'espérance académique, qu'est-ce qu'un trésor, on l'avait vu. Priades, d'ailleurs, on va la revoir donc, aussi, en plus, avec le qu'est-ce qu'un trésor, Priades, une offrande, repère de dragon et l'énigme du feu. Ouais, non, donc, a priori, il n'y a pas d'autre quête, malheureusement. Il n'y a pas d'autre quête, d'ailleurs, il y a tournant de Féloce de Tarrière, incroyable. Ça promet. Mais ouais, du coup, il n'y a pas d'autre quête. Ouais, non, bah, en vrai, c'était sympa. Bah, écoutez, les gars, on va s'arrêter là. Hein. Ce fut un peu court, mais écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. C'est épisode 56, donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, hein, j'en profite, hein, mais si le let's play vous plaît toujours, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement sur YouTube et le petit commentaire, ça ferait super plaisir, ça aiderait beaucoup. Donc, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch, hein, on stream tous les vendredis et samedis. Voilà, n'hésitez pas, il y a les liens dans la description, si vous voulez être au courant, ça se passe sur Discord, des lives, et aussi sur Twitter, voilà, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description, voilà, si jamais vous voulez venir, voilà, on fait des streams vraiment divers, hein. Je fais du Helldiver, du Minecraft, du dessin, des animés tous les vendredis, on visionne des animés, donc voilà, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas à passer, plus on est de fou, plus on rit, donc voilà, n'hésitez pas. Enfin bref, allez, ciao ciao les gars, bye tout le monde!